Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Star Wars V4 Pleased Giraffe. Et donc, chers amis, dans cette vidéo, nous allons repartir dans les profondeurs insondables de cette planète, pleine de minerais rares et précieux, pour espérer récupérer un petit peu plus de... Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ce serait pas trop mal. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon. L'objectif étant de trouver quelque chose que nous ne portons pas sur nous. Ce qui est d'autant plus intriguant, vu que si nous n'en avons pas, c'est qu'il doit bien être quelque part. Ça m'étonne de ne pas en avoir du tout en fait. Hop. Je mets le minerai moisi par là. Ah voilà, il est là. Je suis bête. Ici, donc du titanium or. Pour pouvoir donc faire donc les autres, vous allez voir, hop, on va mettre ça dans le meuble, il me semble que c'est bon, voilà. Pour pouvoir faire donc les autres, ah non, c'est du durastil qu'il faut. Attendez. Durastil bar, ah attendez. Durastil bar, il faut bien du titanium, voilà c'est ça. Titanium et silver. Et donc avec ceci, nous pourrons faire donc les différentes réplicateurs qu'il nous faut pour faire chacune des donc il va nous falloir en fait une la troisième réplicateur qui est posée ici et surtout une quantité assez incroyable de durastil bar. Voilà, ensuite on pourra faire les farms pour les armures. Donc de toute façon on va faire les farms des armures en même temps, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut par contre, c'est retrouver le simplement le premier endroit, l'endroit dans lequel nous étions. Voilà, bah ça commence très très mal, ça n'augure rien de bon, chers amis. Alors, c'était par là, il me semble. Non, c'était pas par là. C'était par là. Vu la découpe, ça ne pouvait être que par là. Alors, hop. Non. Aïe. Aïe. Ben voilà, comme ça c'est fait. Fallait que ça arrive, chers amis. Donc c'est arrivé. On ne va pas chercher plus loin. On y retourne. Hop. Ok. J'ai pas réussi à l'esquiver à temps. J'aurais dû prendre le Bouncy. On me l'a proposé dans les commentaires, chers amis. J'aurais dû le prendre. Ouhou, c'est intéressant par là. Fly me to the moon. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Let me step on the stars. Il y aura des choses à récupérer en bas, chers amis. Hein. Alors, on continue. On va même reprendre un petit peu d'argent, c'est pas plus mal. Il faut absolument que je casse tous les blocs. Est-ce que j'ai pas genre une... Ah, une drill, justement. Ah non, je pensais que ça pouvait faire à une main, mais non. D'accord, bah écoutez, je vais remettre mon pistolet pour m'assurer que je puisse vraiment... appuyer sur X sans avoir de risque, justement. Alors, est-ce que j'ai la chance d'avoir une petite plateforme sur moi? Non. Voilà. Vraiment, j'en ai quelques-unes. Ok, ça se passe plutôt bien pour une première chute. Hop, voilà, si je peux récupérer. Ah mince. Hop, voilà, on va y arriver. N'inquiétez pas.
Alors. Un petit peu de récolte au calme, chers amis, hein. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc ce sont des éléments essentiels, chers amis, parce qu'en fait, ce sont vraiment les derniers minerais que vous trouverez. En tout cas, pour vous crafter des choses. Ensuite, on passera normalement à des alliages, sauf s'il y a une nouveauté. Et encore, s'il y a nouveauté, si nouveauté il y a, je doute que ce soit vraiment très révolutionnaire. Sauf si c'est vraiment une phase de endgame en plus, hein. Mais bon. Dans ce cas-là, si c'est ça, GG, hein, GG, Chucklefish. Je ne demande pas mieux. Ouh. Ah, voilà ce qu'on cherche. Y a du diamant à foison dans cet endroit. Hop. Voilà. Oh, et même des endroits avec des araignées mécaniques. Je crois les voir. Je suis pas tout à fait sûr encore. Alors. N'oublions pas de prendre de l'argent, hein. L'argent, malheureusement, on en a besoin pour faire le Durasteel. Je vais aussi peut-être. Est-ce qu'il me reste quelque part? Voyez, c'est typiquement dans ce genre d'endroit qu'on peut mettre, par exemple. Hop. Voilà. Alors que vous minez, ça peut être vraiment sympa. Après, si vous êtes un petit peu fou comme moi, vous récupérez tout. Ah mais non, ça en a consommé un bloc. C'est marrant, ça. Hop. Voilà. Hop. Parfait. Ça se passe assez bien malgré tout. Alors actuellement nous avons combien dans nos poches? Nous avons 11 argent, ce qui n'est pas beaucoup. Un petit peu de platinium, un petit peu de titanium. Parfait. Hop, descend. Ah, bien joué. Balèze, toi, dis donc. Est-ce que ça va me régénérer un tout petit peu? Hop. Pas suffisamment pour régénérer. Bon, c'est pas grave. Oh. Oh, un challenge. Écoutez, on va récupérer un petit peu de ce qu'il y a autour. Alors. Ok, ça c'est fait. N'inquiétez pas, je me rappelle du diamant, hein. Peut-être même aller le chercher tout de suite avant de crever bêtement et puis de l'oublier ensuite. Hop! Toujours agréable d'avoir quelques diamants sur soi. Alors, challenge portal, allons-y. Maintenant qu'on a le grappin, on devrait pouvoir un petit peu. Oh, on l'a déjà fait celle-là. Peut-être nul. Forcément, je dis ça. Hop.
Peut-être mettre ça à la place du snipe, ça peut-être être plus utile. Forcément. Ok. Wouhou. Fais pas de bêtises. Hop, surtout qu'on avait le truc, mais enfin bon. Hop, on l'a un peu bourré, je confirme. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Alors, inutile et inutile. Bon bah c'est cool, merci le jeu. Hop, on récupère d'autres choses, c'est pas grave. Et oui, je reconnais qu'on l'a même carrément bourré le challenge. Alors, parfait. Ah, ça j'ai pas vu. Alors, oula. Je sais pas comment j'ai pas pris de dégâts. Bon, on y retourne. Après tout, pourquoi pas. Alors. Mais c'est que ça a l'air cool tout ça. Ok. Les pauvres, ils sont coincés là depuis 20 ans. Ça met tout le monde au calme. Par contre, on va aller voir déjà ce qu'on a. Si on peut pas s'en faire au moins une. Mais le problème, c'est que je ne me rappelle plus qu'est-ce qui fait quoi. Très exactement. Alors. Platinium, c'est pas grave. Titanium. Allez. 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 Voilà. Parfait. Silver bar. 5. Alors, Durastil, il fallait... Bah, je viens d'en faire les... Je suis trop plein. Ah oui, je suis trop plein. Hop, une arme moisie. Deux armes moisies. Bim. Alors, respectez mon autorité. Accélérateur. Alors, force de marksman, donc c'est les tireurs. Donc non, alors le marksman that needs both energy and defense. D'accord. Donc ça c'est les gens comme moi qui ne sont jamais, enfin, en solo sont toujours un petit peu, disons, moins RP qu'en groupe. En groupe, je joue par exemple beaucoup. Ah, un instant, chers amis. Suite à cet appel, recomposez le numéro. Non, on va crever. Bon, alors, bandito, c'est le bandito. Bandito. Ma caisse est tout ce qu'il y a en bandito. Je pensais en avoir plus. Je pensais en avoir plus. Ma caisse, comment y avait faire? Tring tring ting 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 tring ting 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 ting. C'est des armures que je peux crafter derrière, c'est pas grave. Bon bah on va le rechercher. C'est vrai que si j'avais su que c'était le vert, j'aurais plus insisté encore dessus. Malheureusement, non.
arrêter. C'est trop lent. C'est trop lent. C'est trop lent. Joli. Dégage. Je crois qu'il est mort. Il y a un lapin dans le trou. Nous sommes dans le terrier du lapin. Alors. Hop. 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 Voilà. Ça, c'est une chier de composants. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord. D'accord. Alors. Hop. Hop. Et hop. Bon, déjà avec ça, on va remonter. Oh, saloperie. Oh putain. Allez, remonte. Hop là. Oula, on a failli se bouffer le pic, mais c'est pas grave. C'est l'heure de la fuite. Alors. Normalement, on va voir ce qu'il faut maintenant. Alors, ça c'est parfait. Parfait. Et donc, vous voyez, là, il nous faut du ferrosium plus l'armure précédente. Le ferrosium étant en fait un alliage avec un autre matériau du précédent. Vous savez quoi, on va rester avec ce truc là. Par contre, il va vraiment falloir que je me fasse des coffres et que j'arrange tout ça. D'ailleurs, à ce sujet, où est-ce qu'on est dans les quêtes? The Mechanical Preparation. Bon, d'accord, on a ce qu'il faut. Go to Outpost. L'outpost de la mort qui tue. Alors. Ma que je suis prêt. Je suis le bandito. Une mission. Une mission. C'est tout vœu. Je serai prêt. Bon alors. Personne ne me propose quoi que ce soit, c'est cool. C'est cool. J'ai bouffé un paquet d'urgence. Voilà. On va aller voir les différentes armes qu'on peut crafter, chers amis. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes, par contre, dans le truc. Oui, il y a des choses intéressantes. Oh, nom de Dieu. Quelle différence entre ça et celui-là? D'accord. Celui-là fait beaucoup plus de dégâts. Enfin, beaucoup. Tout est relatif, hein. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Alors, on a un boss à abattre. Est-ce que j'ai pas un coffre sur moi? Parce que là, franchement, ça commence à être le bordel. Parfait. J'ai un coffre. Est-ce qu'il va vouloir se poser quelque part? Peut-être là-bas. Oui! Oh, nom de Dieu! Créé, nom de Dieu! Comme dirait l'autre. Hop, hop, hop. Hop. Non, ça je garde. Tous les minerais, je les vire par contre. Ça je devrais garder aussi. Non, ça je devrais garder aussi. Ça, ça, ça par contre ça vire, ça aussi. Ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça aussi. Et c'est trié. Voilà. Bon.
Bah nous voilà prêts pour le prochain épisode, chers amis, je pense. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Et donc dans lequel vous pouvez retrouver aussi l'adresse IP du serveur dédié à la chaîne. Quant à moi, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à pouce vériser et à vous abonner. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.